Et salut tout le monde, c'est Trimano et on se retrouve aujourd'hui comme d'habitude sur Hearthstone pour le Brawler avec en vedette de Blinkotron, vu qu'il va nous aider et pas seulement nous, également notre adversaire, vu qu'il nous fournira en armes. Donc le petit quincaillier c'est lui. Et du coup des armes spéciales, enfin entre guillemets, vu qu'on n'aura pas des armes de classe, vu que toutes les classes ne peuvent pas apporter d'armes. Donc pour le début, nous commencerons avec une arme 2-2, donc une épée en mousse. Et quand elle sera détruite, elle sera remplacée automatiquement par une arme aléatoire du jeu. Donc qu'elle soit détruite parce qu'on n'a plus de stack, enfin de durabilité dessus, vu qu'on a trop tapé avec, ou alors qu'elle soit détruite par un Limon, par un Harrison Jones ou par un pirate de la voile sanglante. Enfin donc n'importe quoi qui détruit l'arme, l'arme est automatiquement remplacée. Également, nouveauté, le pouvoir héroïque est remplacé, puisque celui-ci n'est plus le pouvoir héroïque de base du héros, mais sera un changement d'arme. Donc si notre arme ne nous plaît pas, on peut la changer. Et voilà, c'est le principal sur le moment. Donc on va y aller avec un deck mage, un mage freeze, un peu modifié spécialement pour le bras de fer. Donc ce qu'on a modifié, on a enlevé les Nova de givre et les hospices funestes. À la place, on a mis des souffle-neige et des élémentaires d'eau. Et à part ça, ça reste un mage classique. Donc Antonidas, Alexstrasza, pyrotechnique, les torches, boules de feu et énormément de pioches. Donc juste deux élémentaires et deux souffle-neige. Et on est parti. Je joue Mage Freeze parce que dans ce bras de fer, il y a beaucoup de voleurs et de guerriers. Donc, pour vous montrer un peu autre chose qui peut s'avérer intéressant. Alors, on va essayer de gagner en le frisant chaque tour. C'est le but du deck. Hein. Enfin, chaque tour avec les souffle-neige et les élémentaires d'eau, on va essayer de faire qu'il n'attaque pas. Et de gérer son board donc à coup d'AoE. On a Blizzard et Flamestrike. Alors, des refaire convenable comme d'habitude. Donc un mage. Peut-être un mage freeze. Vous l'avez cherché. Oh, Ça c'est la guerre. serait pas spécialement bizarre. Du coup, contre mage. Si c'est un mage mecha, on garde éclair de givre et savant fou. Enfin, dans tous les cas, on garde le savant fou. Là, c'est. Est-ce que je dois me baser sur le fait que c'est un mage freeze, un mage Atisflamme ou un mage mecha? Si c'est un mage Atisflamme ou un mage mecha, je dois dans tous les cas garder éclair de givre, ça en fout. Et si c'est un mage freeze, il faut que j'enlève l'éclair de givre. Du coup, je pense que je vais enlever l'éclair de givre. Je vais plutôt parier sur un mage freeze, vu que c'est ce qui s'adapte le plus logiquement à ce bras de fer. Bon, pas de chance, j'ai pioché le bloc de glace. Les secrets en mage freeze, c'est la pire carte à avoir en main, sachant qu'on a deux blocs de glace dans la main. Deux blocs de glace. Sachant pardon qu'on a quatre secrets dans la main. Et deux savants fous. Du coup, nous, ce qu'on veut, c'est poser les savants fous autour d'eux qui activent les secrets. Donc là, ma main est pas folle. Si c'est bien ce que je pense, donc un mage freeze, pour avoir une bonne main, là, il me faudrait. Comment ça s'appelle? Il me faudrait Torii-san. Ah, ça c'est vachement triste pour notre ami. Bon, du coup, on va lui faire 4 dégâts dans la tête, vu qu'on n'a plus notre éclair de givre. Du coup, là, on regrette un peu d'avoir enlevé l'éclair de givre. Sinon, on lui aurait fait 6 points de dégâts, vu qu'il a chopé l'arme maudite. Donc, la nouvelle arme guerrier. Une 2-3 qui coûte 1 et qui double les dégâts que le héros subit. Du coup, avec un sort, là, on lui aurait mis énormément de dégâts. Du coup, là, on imagine qu'il va pouvoir héroïque. Donc là, il ne pouvoir héroïque pas. Donc, il accepte de prendre le double de dégâts. Donc, si j'ai une boule de feu, un éclair de givre ou n'importe quoi qui peut lui faire des dégâts. Donc là, il a testé l'entité miroir et le projectile des arcanes. Pardon, le contre-sort et l'entité miroir avec le projectile des arcanes et l'apprenti du sorcier. Du coup, là, on a le choix entre soit abuser de la lame maudite, de le boule de feu dans la tête et de comment ça s'appelle? Je suis désolée.
et de taper Face avec l'arme, ce qui ferait qu'il prendrait 6 et 12, 18 points de dégâts, qui passerait donc 34 moins 18, 16, si je ne dis pas de bêtises. Mais sachant qu'on n'a rien pour enchaîner au prochain tour, je pense que c'est pas spécialement viable comme tour. Moitié Du coup, moi. là, on va juste acolyte et trahir son apprenti. À première vue, c'est un Atis Flamme, vu que les apprentis sont joués. Et les déflagrations des arcanes, surtout, sont jouées dans les Atis Flammes, donc déflagration, projectiles des arcanes, comment ça s'appelle? Et apprentis sorciers sont joués dans les Atis Flammes. Donc c'est assez embêtant, entre guillemets. Du coup, là, j'ai pas de pouvoir héroïque du mage, du coup, je peux pas ping mon acolyte. Du coup, là, ce qu'on va faire, c'est juste piocher. Hop. On pioche et on va face. Peut-être que là, avec son arme, il va trahir mon acolyte. Ça ferait que je pioche une seule carte avec celui-ci au lieu de deux ou trois, ce qui m'irait beaucoup mieux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc là, j'ai 8 cartes en main. Du coup, là, faudrait pas qu'il me fasse overdraw. Il peut pas. Du coup, là, je me retrouve à 10 cartes en main vu qu'il ne m'en fait piocher qu'une. Hop. Du coup, là, j'ai très bien pioché. Là, je peux pas poser mon acolyte. Parce que si je le pose, je vais être obligé de jouer Bonjour. acolyte pièce torche ou acolyte pièce barrière de glace. Du coup, j'ai envie de jouer Je l'élémentaire vais de givre. demander. Mais là, l'élémentaire de givre n'est pas spécialement bon. Je pourrais boule de feu à 3-6, vu qu'il applique 29 HP. Non. Je pense quand même que je vais tuer l'élémentaire de givre. Je vais acolyte Sourd moitié pièce mot à torche l'oreille. pour tuer l'élémentaire de givre. Comme ça, au moins, je pourrais pas overdraw avec mon acolyte. J'aurais préféré garder la pièce pour en demi-passe. Mais bon, là j'ai assez de sorts pour le faire proc. Faudrait que je touche un petit Torissan le prochain tour, ce serait assez sympa. J'ai deux cartes pour le piocher. Là, j'ai déjà la moitié de mon deck de piocher. J'ai toujours pas de Torissan ni Alexstrasza. C'est embêtant. Donc lui, il pioche. Il va me jouer un secret. On imagine que c'est un bloc de glace. C'est le plus probable. Du coup, là, on va juste élémentaire, non, rien d'autre. Ah oui, j'avais été sorti de l'esprit que c'était un Atis Flamme. Du coup, c'était très logique que ce soit une entité miroir ou un contresort. Du coup, je me suis trompé, dommage. Du coup, là, dans ces cas-là, je pense qu'on peut boule de feu son élémentaire. Pas vite fait là. Du coup, là, l'entité qui me met pas spécialement bien. Ça, c'est un bloc de glace. On n'a pas d'intérêt à le faire proc. Torrisan, est-ce que Torrisan peut apporter un létal? J'ai pas de Frostbolt et du coup là mon javelot de glace est une carte morte dans ma main. Je boule de feu là et vu ma main, si je pourrais le tuer. Si je boule de feu face, il a 22 HP et j'ai 14 de dégâts dans la main. Non, je suis obligé de tuer l'élémentaire d'eau. En plus, j'ai une arme à 3 qui vient parfaitement tuer le Wyrm pour le prochain tour. Du coup, là, on va juste boule de feu et barrière de glace pour anticiper les dégâts, enfin pour les contrôler en tout cas. Donc là, j'ai ma barrière de glace qui proc, c'est pas un souci. J'ai énormément de heal là, j'ai 14. Pardon, une fois deux, ça n'est pas 14, donc 16 points de dégâts, enfin 16 points de vie dans la main. Avec les deux robots quantiques, ça c'est un petit peu embêtant. Enfin, vachement embêtant là. Très bien, donc là on va robot quantique, savant fou, et on va tuer le Wyrm. Comme ça on donne deux cibles potentielles
pour Ragnaros, enfin peut-être une s'il tue le savant fou avec le Glazuka. Ça minimise les chances qu'il me touche avec son Ragnaros. Sauf s'il trade mes deux créatures, avec par exemple Frostbolt et taper avec l'arme. Pour l'instant, je suis pas trop mal dans la game parce que j'ai un deuxième bloc de glace dans la main. Voilà, donc là je prends 8 points de dégâts vu qu'il Frostbolt le robot de soin. Il a énormément pioché. Moi j'ai pas eu beaucoup de cartes de pioche. C'est assez embêtant. Donc ça c'est peut-être une entité miroir. Du coup je vais pouvoir Torifan ce tour-ci. On va re-robot de soin anti, en espérant que ce soit une entité miroir. Voilà. On va tuer le robot de soin anti qui a été. Qui a été copié. Donc là, s'il a pas la deuxième Frostbolt ou une torche oubliée, Ragnaros a 50% encore de chance de ne pas me toucher. Sauf s'il fait. Bon, voilà, canon à flamme. Très bien, donc là, Ragnaros va encore me toucher. Pour l'instant, je suis à 15. Ah, moi, j'aurais pas tapé. Parce que ça. Là, j'absorbe une attaque complète de Ragnaros, du coup, j'aurais pas tapé. Je pense que c'est un misplay, il aurait pu finir juste de Ragnaros. Là, je suis à 13 vies. Avec ça, je fais 3. 3. 3 et 4, 7. Je tue pas Ragnaros avec ça. J'ai pas eu la pioche que je voulais. Bon, du coup, je vais taper face. Si j'utilise la pyroblast dans sa tête, ça fait qu'il lui reste 12 HP et que j'ai l'étale sur la torche oubliée que j'ai jouée ou sur Frostbolt le prochain tour. Du coup, je pense que c'est le meilleur play actuellement. Sachant que j'ai plusieurs tours pour la piocher, vu que là j'ai mon bloc de glace qui va s'activer. Que le prochain tour, je pourrais remettre un bloc de glace. Du coup, j'ai plusieurs tours pour activer, pas pour piocher le Frostbolt ou la torche oubliée. Donc là, Ragnaros ne me tue pas, vu que c'est pas encore mon tour. Hop, donc là, c'est mon tour. Et c'est le létal, du coup, si je dis pas de bêtises. Donc 3 le Frostbolt, plus 8 les deux Ice Lance, 11, plus la boule de feu, 6. Donc on est à 18 points de dégâts en comptant l'arme, du coup. Et c'est la victoire. Donc, du coup, il doit être vachement triste, j'imagine. Hop. Donc, Frostbolt. Et un javelot de glace. Et voilà, donc on a gagné contre le Majatislam. C'était assez galère vu qu'on n'a pas pioché les cartes poulet et lui il est pas mal sorti, il m'a enchaîné les bonnes cartes et surtout les deux élémentaires d'eau qui ont failli me faire perdre. Et on est reparti du coup pour une nouvelle partie et cette fois-ci on a changé de héros vu qu'on ne joue plus Jaina la mage mais on joue Garrosh le guerrier et avec un deck du coup qui en rend certains malades, c'est le deck cancer, donc full face, donc un guerrier qui va toujours face. S'il n'y a pas de taunt sur le terrain, on face. Hop. Alors, un guerrier, peut-être qu'il aurait eu exactement la même idée que moi, un guerrier full face. Du coup, là, j'ai encore une main dégueulasse. C'est moche. Moi je veux mes tours 1 là, j'ai 15 000 tours 1 dans le deck, donnez-les-moi. Oh là là, jamais de chance hein, dans ce jeu là, c'est incroyable. Je veux mes gnomes lépreux, je sais pas ce que j'ai mis en tour 1. Je sais que j'en ai 10, mais je sais plus ce que j'ai mis. Et ce que je sais aussi, c'est que je ne les sors pas. Malchance. Du coup, hop on face. Hein. Le bon deck guerrier où on va face. Alors, que va-t-il me jouer? Alors. Kerti. Quel bon deck as-tu fait pour ce bras de fer? Donc là, il tape, il passe apparemment. Réfléchissez peut-être à coin quelque chose.
pense que c'est un War Control, enfin j'imagine. Que je vois pas ce qu'il viendrait faire avec un autre genre de War dans ce bras de fer. Enfin, à part s'il joue Face aussi, mais c'est vachement étonnant. Du coup, là je chope une 2-3, donc le rouage marteau. Bon, je vais la garder pour le moment. Ce que je veux là, c'est juste aller aux dégâts, aller aux dégâts. Et encore aller aux dégâts. Hop. Donc la frappe héroïque, c'est vachement bien. Si je peux choper un rouage marteau. Un rouage marteau. Un marteau du destin. L'arme de 8 du chaman qui est furie des vents. Hop. Donc là, il a le pouvoir héroïque qui fait 2 points de dégâts. Ça va pas m'être spécialement bien. Vu qu'il pourra gérer quasiment toutes mes créatures. Comme il a ça, du coup, je voulais à la base de jouer le chevaucheur de loup, mais là je vais devoir jouer le cavalier d'argent, qui est moins sensible à la décharge de foudre. Et en fait, pas du tout. Du coup, je vais être obligé de jouer le chevaucheur de loup pour venir trade son taunt directement. Et on va avaler Face. Hop. Ah oui, non, il joue peut-être un deck pirate avec les pirates qui ont leur coût diminué en fonction de l'arme qu'on a et les pirates qui gagnent les points d'attaque de l'arme qu'on a aussi. Je sais comment ça s'appelle. Ça doit être Brasseur de la mer du Sud ou chose comme ça. Non, c'est Mousse de la Voile Sanglante ou Mousse des mers du Sud. Enfin, c'est la 2-3 qui gagne les points d'attaque de son arme. De l'arme que l'on porte. Du coup, ça c'est pas mal. Du coup, on va jouer un cavalier d'argent et un gnome lépreux. Hop, vu que lui il s'amuse à trade, nous on trade pas, on va face. Et déjà 26 HP. Là pour l'instant, il fait pas trade mes deux créatures. C'est vachement cool. Donc ça continue. Ah ouais. Ils sont embêtants les ennuyeutrons. Faut mettre deux coups dedans, c'est très embêtant. Les taunts boucliers divins, ça fait perdre une tempo assez folle dans votre faire. Ah, il vient pas trade mon bouclier divin, c'est bizarre. On était persuadé du contraire. Hop. Bon, du coup, on top deck un peu, hein. Évidemment. Donc là, on tape dans l'ennui 3 avec le rouage marteau, on regarde l'âme qui repop. Ah, bah ça, c'est vachement triste pour toi, à mon avis. Vu que là, évidemment, la Hurle-Sang, on va la mettre dans la tête, hein, on va pas la mettre dans les créatures. Vu que on a le deck pour. Donc là, je crois qu'il sent la mort arriver à grands pas. Surtout que le prochain tour, on a dans la main 4 de dégâts, on a 8 de dégâts, 8 plus 7, ce qui fait 15, et là, 20 HP, s'il tue pas toutes mes créatures, il est assez mal. Malheureusement, il les tue. Selon toute vraisemblance, enfin, c'est pas grave parce qu'on a l'étal après. Vu qu'on joue un deck très très intelligent hein, qui a évidemment maintenant 16 points de dégâts pour 6 de mana. Regardez, c'est magnifique. Bim! 12 points de dégâts l'arme pour 2 de mana, c'est incroyable. Plus les 4 du golem arcanique qui vont face. Un très bon jeu, hein. Je vous le conseille vraiment, c'est pas très dur à jouer. Dès que vous piochez une carte, vous la posez sur le terrain et vous tapez face. Sachant que 80% des cartes qu'on charge. Donc voilà, vous aurez les decklists du coup de mes deux decks dans la description YouTube. Hein. Vous pouvez les utiliser si vous ont plu. Hein. Ils sont assez basiques, ils sont pas spécialement chers. Enfin, chers en poussière. Alors, le match freeze un peu, mais le Warface il est pas du tout cher. Il y a beaucoup de cartes de base. À part Leroy Jenkins, si je peux vous conseiller, si vous ne l'avez pas, vu que c'est quand même une légendaire, pour le remplacer, vous pouvez mettre un deuxième cavalier d'argent, vous pouvez mettre une faucheuse en arcanite, vous pouvez mettre. Qu'est-ce que vous pouvez mettre? Vous pouvez mettre aussi une deuxième chouette bec de fer, donc anti-taunt, donc ennuyeutron, crash phase et tout ça. Donc voilà, c'était Trimano pour le bras de fer de la semaine. Donc bras de fer, moi que j'ai bien aimé personnellement, vu qu'il est assez original et assez intéressant, pas spécialement au niveau des mécaniques, mais au niveau des decks et des synergies qu'on pouvait faire avec. Donc semaine prochaine, nouveau bras de fer. Hein, et suivez Yvassound donc sur Facebook, partout, vous avez tous les liens dans la description avec les liens vers les decks. Et du coup, je vous dis à bientôt.
Yeah.